Tu sais, les gens, ils pensaient qu'en l'an 2000, il y aurait des voitures volantes. Il aurait juste fallu attendre 45 ans de plus. On les a créés, Yonix, pour qu'ils nous facilitent la vie. Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Yonix n'a ni besoin de manger, ni de boire. La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant. Ça va, Françoise? Tu ne connais pas Jennifer? Bonjour. Le Yonix sont là au service de la sécurité de la population. Shifumi. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Nestor, ouverture porte. Désolé, demande refusée. Si ça se trouve, tout le monde est pris en otage. Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Vous constaterez l'efficacité de nos services. Qu'est-ce qui lui prend? Ils disjonctent complètement, là. On va bien s'amuser ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre nous et... Pour une réinitialisation, tapez 1. Pour une réclamation, tapez 2. Connasse, on va se calmer. Ma petite Jennifer. Ils sont là pour prendre notre place. Ils n'auront aucun scrupule. Non, mais il faut vraiment qu'on parte d'ici le plus vite possible. On est d'accord, Françoise? L'humain est devenu facultatif. Nous sommes des humains bouillonnant d'émotions et de sensualité. L'humain sera jamais facultatif. Parce que nous, on est originaux. Et qu'on est plein de défauts. Allez-y, on n'a rien à perdre. Tu sais comme je fonds sous le soleil de ton regard. C'est juste un gomme-michet bourré d'électronique.